Bon, bah là, je suis en train de monter la vidéo pour la sortir. Et je me suis rendu compte que souvent j'appuyais sur le micro comme ça là. Du coup, je voulais tenir à m'excuser parce que du coup, c'est un peu gênant. Je comprends. C'est assez gênant. Bon, sur ce, bon visionnage, bonne vidéo et bonne journée. Et salut à tous, c'est Robin80. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un serveur qui s'appelle Tudonium. Je pense que vous connaissez parce que j'ai fait une série dessus. Et franchement, je trouve que vous avez bien aimé. Donc, j'ai refait une petite présentation, c'est pour avoir le grade YouTubeur et aussi pour les nouveaux abonnés qui ne connaissent pas Tudonium pour leur montrer un serveur qui est vraiment pas mal du tout. Alors, pour commencer, c'est un PVP faction modé, donc avec le Futonium. Bon, attendez, je reviens. Donc voilà. Donc c'est un PVP faction modé qui comprend en mode le Futonium, le Galaxium. Bref, il y a des sticks. Par exemple, là, j'ai une Futonium Chauvel, donc efficacité 7 et solidité 7. Donc Galaxium, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai une armure en Galaxium. Mais faut savoir que le plus fort, c'est le Futonium. Donc avant, j'avais un full Futonium. Maintenant, j'en ai plus parce que parce qu'il y a eu les Z et tout. Donc là, on est à la V4, je crois. V4 de Futonium. Donc je vais mettre. Hop, 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 donc voilà. Donc, notre base de facture avec chacun des chambres. Là, il y a la chambre d'un membre de ma fac. Donc là, il y a. Bon, en fait, maintenant, c'est moi le chef parce que on a eu des galères avec la fac. Donc là, ici, bon. Ici, c'est ma chambre. Donc voilà, avec ma petite télé 4K, ma lave. Et là, il y a le logo de la fac. Donc voilà, c'est une croix. Ici, il y a la construction d'une maison qui n'est pas encore à nous, enfin qui est à notre membre de la fac. Donc là, il y a un autre membre. Et là, enfin, en gros, en tout, il y a quatre chambres dans la base de fac. Donc voilà. Bon, on a essayé de faire la meilleure décoration et tout. Donc on a les Under Chests. Par exemple, moi, vous voyez là sur le. Enfin, là où il y a marqué faction en ligne, faction, rank, monnaie. Et donc les ranks, c'est les. Par exemple, quand vous faites slash rank, là vous voyez que vous avez des objectifs. Donc temps de jeu 27 heures, nourriture consommée 474, bloc placé, bloc cassé, c'est au cobalt cassé, melon cassé, cactus cassé, etc. Et là on a les objectifs. Donc faire 10 kills, faire 100 kills, faire 200 kills, 300 kills, placer un œuf de Ender Dragon, etc. Il y a plein de défis. Et ces défis, ça permet de gagner un grade. Donc citoyen, c'est le premier. Viking, c'est le deuxième. Chevalier, mage, roi et dieu. Dieu, c'est le meilleur. Citoyen, c'est de la merde. Donc quand on est viking, on gagne une hache de combat. Donc ça, vous prenez un mec no stuff quand elle est chargée, vous le one shot. Enfin, c'est one shot. Donc je sais pas s'il y a une barre de vie. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, pas de barre de vie. Donc en gros, c'est max. Donc voilà, donc là l'under chest. Il y a le hammer aussi. Donc on va aller au lobby. Donc voilà. Donc je trouve que c'est un très beau lobby. Je trouve que c'est un très bon lobby pour ce serveur. Il est très beau. Enfin, bon après forcément à l'intérieur ça lag un peu. Enfin à l'intérieur du lobby ça lag un peu. Donc par exemple là vous avez les salles d'échange. Pour éviter de se faire carotte plein de choses, on a les salles d'échange. Et c'est comme ça.
Donc vous voyez, donc lui il est pas full futonium, il a des élytres, mais il a comme, enfin il est chaud quoi. Le mec est chaud. Donc on a les salles d'échange. Après on a, comment ça s'appelle? On a la monnaie comme d'habitude. Donc moi, par exemple j'ai 217 euros parce que j'ai acheté plein de choses pour la passe de fac. Là ici on a ici on a les règles, mais c'est encore en construction, ils l'ont pas encore fait, mais c'est bientôt la maintenance, donc enfin je crois qu'ils font une maintenance toutes les semaines. Donc voilà, donc là on a la Vodbox, box boutique, box épique et box rare. Donc box Vodbox, en fait vous comment ça s'appelle, vous votez sur internet, vous faites Futonium, vous mettez votre pseudo, il faut vérifier que qu'on est un humain, et après c'est bon. Donc ouais, j'ai des mauvais. Donc là par exemple le grade vi enfin le rang viking, je l'ai eu tout à l'heure, hein. Donc voilà, donc après on a le minage. Enfin, je vais d'abord vous montrer le craft pour vous montrer combien il y a de. Enfin, il y a les objets vanille. Les objets. Il y a les objets. Comment ça s'appelle? Les objets modés. Donc là, on a l'armure en futonium, donc avec des blocs. Donc voilà. Là, on a l'épée en futo. Là, on a la pioche en futo. Là, on a la hache en futo. La pelle. Là, on a le marteau de. La hache de combat. Donc, c'est ce que j'ai. Ça coûte quand même assez cher. Là, on a le hammer. Ça met une 3 par 2, je crois. On va monter en haut. Et le craft est très beau aussi, hein, je trouve. Mais. Voilà. Donc, là, le bloc le plus cheaté, c'est la serre au cobalt. On peut se faire une armure en cobalt, mais j'en ai jamais eu parce que bah, ça coûte. Dites-vous que une graine comme ça vaut 19 euros. Tous ces blocs-là, 9. Tier 3, faut bloc de tier 2 x 9. Et ça, c'est les fragments de ces cobalt. De Sephiroth. Donc là on a les minerais de Sepharo. Donc là on a l'épée en Sepharo. Donc voilà. Là on a le casque en Sepharo. Le plastron. Les bottes, les jambières. Donc la pioche. Le hammer en Sérocobalite. On a un Unclaimed Finder. Donc ici, un Claim Finder en Sepharo. Sepharo Cobalt, là. Et on a un Chest Finder avec. Enfin, c'est pareil. Là, on a un Cage Block. Pour tout simplement voir les bases quand on mine. Donc là, on a la. Dynamite. Ici on a les. Quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc là on a l'épée en gala. Voilà. L'épée en gala, la pioche en gala, la hache en gala, la pelle en gala. Ça c'est pour avoir. Mais je sais pas ce que c'est là. Ils font quoi avec le bois? Voilà, donc là le haut on a fini. Donc il y a encore des choses à l'intérieur. Ah oui, ça c'est un ou d'helmet. Non, mais je sais pas ce que c'est ça. Alors, ça doit être des blocs de déco. Donc là on a tous les trucs et tout. Cuir dans un four, colorant égal colorant violet, colorant gris, donc voilà. Donc
Donc là, on a les bottes en gala. Bon, ça, vous connaissez, hein, je pense. Enfin, pour les autres, non, mais en fait, pour faire un truc, pour faire une armure, par exemple, enchantée, il faut des blocs. Des blocs de Sepharo, des blocs de Futo, des galas. Donc là, on a la pomme de Notch, donc Futonium Apple. Là, on a le Stick of God. Là, ça doit être pour l'air. Là, ça doit être pour la fin. Là, ça doit être pour le combat. Non, ça, c'est pour le combat. Et ça, je sais pas. Ça doit être pour foutre de la vie. Ok. Donc là, ça c'est de la terre fertile, c'est assez cher. Un Oud Helmet. Bon, là vous connaissez. Et pour le. Bah là on a fini. Pour le craft, on a fini. Donc on va aller au minage. Slash. Lobby. En fait, le warp minage pour moi, enfin moi, quand je clique dessus, ça marche pas. Donc du coup, à chaque fois, je vais au lobby et ok, voilà. Donc là, vous avez toujours un petit temps de latence avant de voir et voilà. Donc les mecs foutent le bordel, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Pas se mentir, ils font toute la merde. Donc bon, fallait tomber. Rouge. Ah mais non, mais là je crois que. Non, c'est un peu plus loin que le rouge, c'est de. Bon, ouais, bref, à partir de la ligne rouge ou un peu plus loin, on n'a pas le droit de miner. Donc. Bah, je suis à 11 minutes. Qu'est-ce que j'ai? Bah, le faction, hein, c'est comme vous savez. Après, qu'est-ce qui reste? Après, c'est tout, hein. Franchement, c'est tout, les gars. Bon. Bah, et surtout, merci, mais merci, merci, merci pour les 350 abonnés. Là, au jour où je tourne la vidéo, on est mardi. Oui, le mardi, on est à 354 abonnés. Donc, je vous dis franchement, c'est. Je pensais pas arriver jusqu'à là. Je pensais que j'allais m'arrêter 100. Ou même pas. Au début, je pensais même pas que j'allais faire 100 abonnés. Il doit y avoir une vidéo. Je crois que c'est le tuto pour avoir Minecraft gratuit qui m'a fait exploser. 35 000 vues, mais vous vous rendez pas compte. 35 000 vues. Vous vous rendez vraiment pas compte. Hein. Mais bon, voilà. Mais bah, un énorme merci. Un énorme merci. Et dites-moi si vous voulez que je refasse une série sur Futo. Mais du coup, bah, ça, enfin, pour moi, ça sert pas à grand-chose parce que bah, j'ai déjà commencé. J'ai déjà le grade viking et tout. Donc je sais pas si ça va servir. En tout cas, bah, ouais, je sais pas si ça va servir. Ouais. Bon. Bah. Je vais voir, vous me dites et vous me dites merde, putain. Bah vous me dites et je vous dirai si, enfin vous me dites si, et puis bah, je le ferai si vous voulez ou si vous voulez pas, je le ferai pas. Bon allez, sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner, surtout partager et je pense que jeudi soir, je serai en live sur Futonium. Je vais un peu sur ma carrière perso. Mais je sais pas. Bon, bah du coup, bah peut-être jeudi.
Et bah encore un gros merci pour les 350 abonnés. Merci, j'aimerais bien arriver aux 400 un jour, mais... Je pense qu'avec une communauté pareille, je pense que c'est possible. Bon, sur ce, je vous dis tchuss, à jeudi peut-être. Bye bye!